avec la ville de Marseille. Finale nationale du Perche Elite Tour ce week-end à Cassis. 120 athlètes français, belges et anglais se livrent bataille. Cette compétition vient préparer les perchistes avant la saison en extérieur. Le tout dans une ambiance plutôt festive. Ils sont volontaires au départ pour participer. Bien entendu, il faut avoir un certain niveau. Et dans chaque étape, il y a des qualifiés. Il y a des qualifiés et des éliminés. Et donc ce sont les meilleurs que nous retrouvons aujourd'hui. Et le patron de ce Perche Elite Tour 2011, c'est lui, Damiel Dossévy, seul athlète à passer la barre des 5m44, s'impose sans difficulté. Il tente ensuite le tout pour le tout à 5m64, sans succès. Chez les filles, c'est la régionale de l'étape qui remporte le concours. Maria Ribeiro de Lasco Sainte-Marguerite franchit 4m44. Elle devance la Britannique Holly Blitzdale, pourtant très attendue, sous les yeux d'un public séduit par le spectacle. Bah, super ambiance, ça permet un peu de voir un peu ce que c'est le saut à la perche, et qui n'est pas souvent représenté dans notre région, mais ça fait plaisir. Ce qui m'impressionne, c'est c'est de sauter, d'arriver aussi haut avec une perche entre les mains et le renverser, toute la technique et la vitesse. Mais c'est dommage que Renaud Lavillenie ne saute pas, j'aurais bien aimé le voir en vrai. Renaud Lavillenie, le français double champion d'Europe, était présent. En vacances, il s'est contenté de prodiguer quelques conseils à ses amis. Tous ces athlètes prendront bientôt la route, direction les grandes compétitions de cet été. La boucle est bouclée pour les nageurs du CNM. Déjà sacrés sur le 100 mètres d'eau, Camille Lacour a remporté le 50 mètres dimanche au championnat de France. Il s'impose facilement en 24 secondes et 36 centièmes, réalisant ainsi sa meilleure performance de l'année. Camille n'est pas le seul Marseillais à se qualifier pour les mondiaux de Shanghai en juillet. Fabien Gillot et Willem Ménard se qualifient sur 100 mètres, Frédéric Bousquet sur 50 mètres. On n'arrête plus les rugbymen aixois. Samedi soir, à domicile, le parc s'est offert Mont-de-Marsan, 5e de Pro D2 et meilleure défense du championnat. Dominateur de bout en bout, les hommes en noir l'ont logiquement emporté 30 à 15 dans un match sans essai. Auteur d'un 100% au pied, Antoine Lescalmel, que l'on dit courtisé par des clubs du top 14, a été le véritable homme du match. Avec cette 5e victoire de rang, le parc ravit la 12e place à Narbonne et se donne de l'air dans la course au maintien. Nous, de toute façon, tous les matchs, on joue notre vie, donc on joue le maintien, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, donc tous nos matchs, on fait que des finales maintenant jusqu'à la fin de la saison. Déjà, on veut assurer le maintien, et un maintien tranquille, pas ric-rac à la fin de la saison, pour qu'on n'ait pas à jouer le maintien sur le match à Oyonnax et la réception d'Albi. Moral est à bloc, ça fait plaisir. Le FOPB reprend les choses en main, à Parsement. Les basketteurs de Fos-sur-Mer qui restaient sur deux défaites à domicile ont battu Bourg-en-Bresse lors de la 27e journée de Pro B. Une victoire qui a bien failli échapper aux jaunes et noirs menés de 6 points à la mi-temps. C'était sans compter le coup de gueule de l'entraîneur phocéen. J'étais vraiment très fâché à la mi-temps. Je l'ai fait savoir à mes joueurs parce qu'on a joué un peu avec le feu en première mi-temps. Au lieu de mettre de la maîtrise, on a voulu briller, on a voulu punir trop vite. Et on s'est exposé derrière sur de la contre-attaque et on a fait des fautes bêtes qui a donné des lancers francs. Des erreurs gommées dès le retour des vestiaires. Les phocéens haussaient le ton en défense et s'offraient par la même occasion quelques ballons de contre-attaque. Bourg-en-Bresse ne pouvait que constater les dégâts. On savait que sur le troisième carton, ils allaient revenir avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'envie. Et c'est vrai qu'ils nous font mal sur le début du troisième carton parce qu'ils reviennent très vite au score. Ça se joue sur un rien, ça se joue forcément sur les détails du début jusqu'à la fin de la rencontre. Je crois que Fos mérite sa victoire comme on aurait pu la mériter si on avait inscrit le dernier panier à 3 points. Dans le quatrième carton, les deux équipes ne seront jamais à plus de 3 points d'écart, chacune repassant devant l'autre jusque dans les dernières secondes. Et à ce jeu-là, c'est Fos qui l'emportait 77 à 75. Pour Philippe Paquet, meilleur marqueur avec 17 points, c'est l'envie qui a fait la différence. On savait que ça allait être un gros match, il fallait vraiment gagner celui-là pour garder nos objectifs en tête. Je pense que cette victoire, elle est vraiment sur l'envie, sur la détermination. Et c'est une victoire qui fait vraiment plaisir, qui peut nous servir de référence pour cette fin de saison, je pense. Cette victoire permet à Fos-sur-Mer de conforter sa place dans le top 5 et de se rapprocher un peu plus d'une place qualificative pour les play-offs. En Pro D2, le Pays d'Aix assure l'essentiel en s'imposant à domicile face à Nanterre. Une victoire qui permet d'oublier le revers accusé la semaine passée chez le leader à Créteil. Ce week-end, les Aixois se sont pourtant montrés moyens et ont dû jouer des coudes avec Nanterre en début de partie. Avant de prendre un net avantage, 13-9 à la mi-temps, les Aixois traversent un passage à vide en fin de seconde période, mais conservent toutefois une légère avance. Score final 26-23.
C'est le prototype de match piège, à un moment dans la saison où les organismes et les esprits sont un peu fatigués. Donc j'avais peur que mon équipe baisse sa garde, manque de vigilance et se fasse surprendre à domicile. Ça n'a pas été le cas, ils ont bien maîtrisé les débats sur 50 minutes, avec des vertus défensives qui me plaisent. Ils jouent au ballon en indoor à 5 contre 5, mais attention, ceci n'est pas du futsal, c'est du pro-futsal. Technique, plaisir et spectacle sont les maîtres mots de ce sport. Ici, c'est le fair play qui passe avant tout. D'abord le respect total de tout le monde, des arbitres, des joueurs, des adversaires. On dit souvent on est une grande famille, on se connaît tous, on mutualise les moyens. C'est-à-dire qu'on s'entraide entre équipes. C'est pas la guerre entre les équipes. S'il y a une équipe en difficulté, au contraire, on va aller l'aider pour que tout le monde ait sa chance sportivement. Et pour se démarquer du foot en salle traditionnel proche du jeu à 11, un système de règles favorisant le beau jeu. Sur le terrain, il est interdit de parler aux autres joueurs ainsi qu'à l'arbitre. Le contact avec l'adversaire est prohibé et les gestes techniques récompensés. Notamment les petits ponts, sombrero et grands ponts, les gestes techniques sont récompensés par un bonus qui compte pour une pénalité à l'adversaire. Au bout de 6 pénalités, on a un tir franc à 9 mètres. C'est vraiment un jeu qui favorise le technique et la rapidité. Séduit par ses principes de jeu, de plus en plus d'amoureux du ballon rond troquent chaque week-end crampons contre chaussures d'intérieur. Ce qui m'a attiré, c'est que c'est complètement différent du foot. Enfin, à la base, c'est du football et ensuite, les règles sont spécifiques à ce sport. Et on aime ça, ça change. Ce week-end à Istres, c'était la 17e journée du championnat. Chaque samedi, les mordus de Pro Futsal s'affrontent dans une ligue régionale. Et en plus de leur classement général, les équipes sont récompensées pour leur fair play. Samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive, 65 coupes se sont disputées le titre européen ce week-end au Palais des Sports de Marseille. Les plus grands noms de la discipline étaient présents, mais une épreuve jeune a permis aux espoirs de faire leur preuve. Les Marseillais Coralie Bonnet et Vincent Perrin ont fait leur premier pas en compétition internationale. Trop crispés, ils se sont rapidement fait éliminer. La déception est bien présente, mais les Marseillais ont fait le plein d'expérience et il y a des erreurs qu'ils ne commettront plus. Arriver à évacuer de stress et... Danser pour le plaisir. Voilà. Danser pour le plaisir. Le plaisir, c'est justement ce qu'ont partagé les danseurs avec le public, un public marseillais conquis par le spectacle. Nous sommes d'origine espagnole, nous aimons le bebop, la salsa, et donc c'est notre côté hispanique en fait, le côté passionné. La musique, la danse, tout ça, ça nous plaît énormément. On vient toutes les années là, et on se régale. C'est bien rythmé. C'est quand même du haut niveau. Hein, ouais. Mais le spectateur le plus difficile à conquérir reste le juge, qui procède en deux étapes. Il coche d'abord les numéros des couples qu'il souhaite revoir en piste avant de les évaluer de 1 à 6 selon des critères bien personnels. Moi, ça dépend des catégories, mais dans les catégories les plus fortes, j'aime voir du corps, j'aime voir de la vitesse, de la précision. Pour moi, c'est le plus important. Et c'est le couple croate qui convainc. Vice-champion du monde, il ajoute désormais un titre européen à son palmarès. Les Français Charles-Guillaume Schmitt et Elena Salikova tiennent leur objectif en décrochant une 6e place. Une belle performance puisque c'est la première fois qu'un couple tricolore arrive jusqu'en finale d'un championnat d'Europe de danse latine. Malgré le changement d'heure, ils étaient bien au rendez-vous du 15e Cross de l'Étoile. Dimanche matin, 250 coureurs se sont élancés du quartier de la Batarelle sur les hauteurs de Marseille. Au menu, un parcours 100% nature d'un peu plus de 11 km au cœur du massif de l'Étoile. Et même si la pluie s'est invitée en fin de course, la fête n'a pas été gâchée pour autant. Ça monte et ça descend. Pour les articulations, c'est pas le top, mais quand même, c'est une très belle course. C'était long. Long, je suis tombée, mais j'ai vite couru sur la fin, ce qui est très sympa. Et la pluie en arrivant, donc tout même le temps était au rendez-vous, donc tout allait bien, super. Je me suis déjà levé à la bourre et mon timing, il était tout faux ce matin. J'ai tout fait sans chrono, sans pulsation, sans distance, tout au feeling. Ils sont venus de toute la France et même de l'étranger. 51 équipages ont hissé les voiles ce week-end dans la rade phocéenne à l'occasion de l'Hydros Cup. Une régate créée il y a 18 ans par les étudiants de l'école de la marine marchande à Marseille. C'était créé pour faire naviguer des jeunes, pour leur faire découvrir le sens marin. Maintenant, ça s'est développé, c'est devenu une régate de plus grande importance. On a des gens qui viennent vraiment pour la compétition. Pour la compétition et pour la bonne ambiance qui y règne. Et au milieu de tous ces hommes, on trouve quand même quelques demoiselles.
Estelle et ses camarades font partie de l'association Pilotim de l'école de la marine. Les filles y sont rares, alors forcément, un équipage 100% féminin, ça se remarque. On est 7% de filles. Donc c'est plutôt sympa, ça donne un challenge. J'ai mis un petit peu longtemps à lancer le projet et à trouver les sous après. Du coup, on a fait un entraînement. On est décidé à tout donner de toute façon. Mais avant d'en découdre avec les autres bateaux, encore faut-il que le vent soit au rendez-vous. Samedi, il n'a pas dépassé les 5 nœuds, offrant des conditions de course pas vraiment idéales. À bord du Cataclysme, les filles ont du mal à suivre et finissent dernière de la manche. Catastrophique. Mais en fait, c'est super dur de réussir à coordonner tout le monde tout en étant concentré sur ce qu'on doit faire nous, quoi. Donc, ça l'a pas fait. On va se reprendre et puis de toute façon, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Donc on va essayer d'améliorer ça. Estelle et ses équipières n'ont pas dit leur dernier mot. L'année prochaine, elles seront à nouveau au départ de l'Hydroscup. Le JT Sport, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Soyons sport avec la ville de Marseille.